Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur le blog Puzzle Texture. Il y a du nouveau dessus, donc on va aller voir ça. On est dans Texture ici déjà, commencer. Et on va voir ici, hop, je descends, voilà. Optical Flare. Bon, je l'ai mis ici par rapport aux autres, tout ça, parce que bon, après, voilà. Et puis ici, il manquait un. Voilà, on va cliquer dessus. Voilà. Bon, bah là, c'est mis un peu bizarrement. Pourtant, ils étaient bien mis hier. Et puis là, bah, ils sont comme ça. Bon, je sais pas pourquoi. J'essaie de les remettre, mais il n'y a pas moyen. Donc, les voilà. Il y en a quelques-uns. Je vais ouvrir le dossier où ils sont. Comme ça, vous verrez. Je mets sur pause 30 secondes. Donc, voilà. Ils sont tous ici. Bon, ils ont ici, vous voyez, avec un fond transparent. Et ici, ben, c'est un fond noir, tout simplement. Le temps que ça cherche. Bon, à part ici, il y en a un, deux, trois qui sont un peu à l'écart des autres. Donc voilà. Ils sont tous ici. Donc il y en a 214 en tout et pour tout. Donc 214, ben, ceux qui ne trouvent pas son bonheur là-dedans. Je sais pas comment je ferai. On en trouve d'autres, ça c'est sûr, mais après il faut que je contrôle que je l'ai pas. Donc imaginez bien que ça va pas être facile à tout contrôler. Donc voilà. Ils sont tous là. Donc pour y accéder, je vais remonter tout en haut. Voilà. C'est ceux-là qui sont transparents. On voit la différence entre avec les fonds transparents. Voilà, si je descends un peu ici, à un moment donné. Voilà. Vous voyez qu'est ton fond transparent, le fond noir est pas tout à fait pareil, vous voyez. Donc par exemple, je vais prendre hop, celui-ci. Bon, là on voit l'arrière ici, donc justement ça tombe bien. Et puis ici on voit le flare ici. Vous voyez, hop. Et puis on clique ici pour passer de l'un à l'autre pour trouver celui-là qui nous intéresse. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y a ce qu'il faut pour se faire plaisir. Bon, je vais arrêter. Voilà. Ok. Donc voilà ce que je vous propose. Bon, j'ai cherché sur Google Images, tout ça. J'en ai récupéré à droite, à gauche et tout. Bon, j'ai essayé quand même de garder des bonnes tailles. Hein, si on regarde celui-ci. Voilà sa taille réelle ici. On voit à peu près, il s'arrête ici, là, à peu près ici, là. Voilà. Vous voyez, quand même des bonnes tailles, hein, vous voyez. Bon, ici, là, on voit mieux, du coup. Ça, c'est sur un fond noir, je pense. Voilà. Ou alors, c'est par rapport à l'éclairage. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre quand même. Des grands formats quoi, en fin de compte. Vous voyez ceci. Bon, l'autre avant est un peu plus courte, mais elle est pas mal déjà. Voilà. Bon, après ça dépend des flares, hein. Les flares, il n'y a pas besoin d'avoir de trop grande image non plus. Ok, donc je mettrai ben, le lien, ben, je mettrai celui-là ici dans la description. Voilà, et puis voilà, et puis bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, pour le prochain tuto, bah, je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'on va faire. Parce qu'au début, je voulais faire tout un décor, genre décor, vous voyez, les cabanes de Canadiens, là, avec tout leur attirail et tous ces trucs-là, montagnes, les rivières, les arbres, tout ça. Mais je crois que je vais juste faire la modélisation des maisons. Expliquer comment faire, les arbres, après bon il y aura des tonneaux, il y aura des charrettes, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura pas mal de petits trucs. Donc en fin de compte je vais pas mettre tout ça après sur un décor, faire un rendu. Donc je vous laisse faire, hein, je vais vous faire voir comment créer les montagnes, hein, il n'y a rien de plus dur, hein, les terrains, les mares,
les petites rivières, les ruisseaux, enfin tous ces machins-là. Après, vous pouvez les disposer comme vous voulez dans votre décor. Ok, donc ça sera sur la prochaine vidéo. Donc, je vous dis une bonne semaine. Là, on est lundi matin. Et puis, on se retrouve soit dans la semaine, ce week-end, ça va être dur, je travaille. Donc, voilà. Ok, donc merci à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao.